Bonsoir, petit Wistit, c'est le chant. J'ai envie de te parler d'un truc aujourd'hui. Assez compliqué. Je sais pas du tout par où commencer. Je viens de terminer de filmer la vidéo et en même temps, je me dis, il faudrait peut-être que je recommence parce que là, c'est complètement pas clair du tout. Que dire? J'ai jamais été vraiment très intégrée dans la société. Que ce soit à l'école primaire, en secondaire ou au travail, je me suis jamais sentie faisant partie de la communauté humaine, telle qu'on l'appelle l'humanité. J'ai jamais eu l'impression d'être à 100% dedans. Je n'arrive pas, ça ne marche pas du tout. J'ai beau pousser, 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 je reste à l'extérieur. C'est genre, j'ai un trop gros cul, je passe pas, voilà, un truc comme ça. Et j'ai toujours trouvé les gens très très cons aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que autour de moi à qui je parlais, les personnes à qui je ne parlais pas, et ça s'est renforcé avec les réseaux sociaux, étaient abrutis, ne voyaient pas plus loin que leur nez, et pensaient tout savoir en plus de ça, et prennent un malin plaisir à rabaisser les autres alors qu'ils sont à peu près 37 000 fois plus cons. Bref, j'ai jamais trouvé vraiment ma place. La première fois que j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans. Et je suis allée en école de cuisine parce que je voulais travailler et j'avais regardé sur internet, il était marqué que chef cuistot c'était hyper bien payé. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. Bref, j'ai étudié la cuisine, quoique étudier est un très grand mot, et j'ai fait un burn-out parce que les horaires étaient absolument dégueulasses. Je travaillais de 9h du matin à 1h, voire 3h du matin, every day, so c'est un peu mal passé. Et j'ai fait mon burn-out, je suis restée 7 mois enfermée dans ma chambre à regarder des séries en mangeant des chips et des nouilles, la grosse nouze, toi-même tu sais. Oui, à un moment je me suis dit bon, je vais reprendre l'école, enfin je me suis dit non. J'ai été poussée par mes parents à reprendre l'école, donc je suis allée dans une école d'art. Ça s'est très bien passé. Parce que je trouvais enfin un peu ma place dans le système scolaire. Je faisais des petits dessins, je faisais des petites photos, puis je suis tombée malade pendant 4 ans. J'avais quand même continué les cours en étant malade, mais vu comment ça évoluait négativement ma santé, je me suis dit « Ok, I'm gonna die, je vais signer mes examens, living my last year, un très bel accent, comme une queen. » Et voilà, j'ai signé mes examens en pensant que j'allais crever. Je me suis dit, allez, bats les couilles, je bois de l'alcool, je fume de la beuh, je prends de la cocaïne. Allez! J'ai fini par être soignée de cette maladie et j'ai commencé à chercher du travail. Chercher tel un chômeur qui dit je cherche. Voilà, je ne cherchais pas du tout. J'ai quand même travaillé quelques fois. Je te fais pas un dessin. Je m'emmerdais royalement, donc j'ai quitté mon travail. Tout ça pour dire que ce soit le système scolaire ou le monde du travail, je n'ai jamais trouvé ma place. J'ai jamais eu ce petit truc, tu vois, quotidien. J'ai besoin de ce petit truc quotidien. J'ai besoin de quelque chose qui me relie à moi-même et à ce que je veux. Et c'est jamais arrivé, voilà. Un jour, je suis partie au Japon. Et là, mon monde a changé. J'ai découvert un univers magique, merveilleux, fait de karaoké et de gameplay incroyable. Et puis j'y suis retournée une autre fois. Et là j'ai découvert un petit monde magique et merveilleux, fait de grandes collines sur lesquelles j'ai pris beaucoup de risques inutiles. J'ai aussi appris à aimer ma solitude, à l'apprécier, à la vivre pleinement et découvrir ma vie telle qu'elle devrait être et telle que je la veux. Je suis ensuite partie en Australie et ensuite en Norvège. Et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de repartir en Australie puis en Nouvelle-Zélande, puis au Canada, puis en Nouvelle-Calédonie, puis partout en fait. J'ai envie d'aller vraiment partout. Je crois que j'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie. C'est pas un travail. Malheureusement, c'est pas un travail. Ça pourrait en devenir un, mais là tout de suite, c'est pas un travail. Bref, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Je suis extrêmement satisfaite de mon choix. Je sais que je veux vivre dans un van, peut-être dans une petite voiture pour commencer, avec une tente, un rooftop et tout le bazar. J'ai vraiment envie de vivre la wildlife à fond, au maximum de tout ce que je peux faire et de vivre de mes propres moyens, juste moi. Et si j'ai plus d'argent, eh bien je trouve un travail et je me fais de l'argent et je repars sur la route et je recommence à l'infini et au-delà. Je sais ce que je veux dans ma vie, je sais où je veux, mais il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Que ce soit dans ma famille ou des amis, les gens ne le comprennent pas, voilà.
Je crois qu'une bonne partie des personnes de mon entourage pensent que je vis dans un monde imaginaire, un monde de rêverie, quelque chose qui n'existe pas réellement, que c'est irréalisable, que je rêve ma vie totalement et que j'ai des projets farfelus. C'est un peu le résumé de ce qu'on pense de moi partout, sauf quelques personnes qui, merci, existent. Mais la plupart des gens pensent que je suis extrêmement paumée, que le fait que je veuille vivre dans une voiture, ça fait de moi une paumée. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que je les abandonne. Et que j'en ai rien à foutre, et que je suis égoïste, et que je pense qu'à ma gueule. C'est pas le cas. Quand je voyage, vous me manquez. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, ou même YouTube, parce que quand je voyage, je fais beaucoup moins de vidéos. Vous me manquez vraiment très fort, au point qu'en Australie, ça me prenait aux tripes, j'en étais vraiment très très mal. Mais honnêtement, la douleur que je ressens du manque de mes proches n'est pas du tout égale à la douleur que je ressens quand je suis en Belgique, entre quatre murs. Avec mon matelas, la vue sur mes vêtements et mon make-up inutile et que je comprends pas ce que je fais, je comprends pas ce que je fous là, je comprends pas pourquoi je me conforme à ce qu'on veut que je fasse. Et je suis extrêmement malheureuse en fait quand je suis ici, vous n'imaginez pas à quel point je le suis et c'est pour ça que je poste plus rien sur YouTube parce que je suis trop mal et je sais pas quoi faire et je me sens pas bien parce que j'ai pas la force de tourner, j'ai pas la force de faire un fucking haul, même si je suis payée pour le faire, parce que j'ai pas envie de le faire ici. J'ai envie de le faire sur la plage, dans la montagne, je sais pas, dans un lagon. J'ai pas envie de le faire dans ma chambre avec mon bureau derrière moi et mon fond douteux et le make-up. Et j'ai pas envie de faire ça. Je suis paumée et ça me fait chier. Et le fait que je sois complètement paumée, c'est aussi le fait que ma vision de la vie n'est pas... pas du tout en adéquation avec la vision de la vie de mes proches. Et du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps à fucking contre-courant. Tout le temps. Je suis un putain de saumon parmi les truites. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Tout me fait chier. J'en ai marre. J'aimerais que les gens acceptent juste le fait que je voyage. C'est pas contre eux, c'est pas contre vous. Je voyage pas pour faire du mal aux personnes autour de moi. Je voyage pour me faire du bien. C'est pas égoïste de vouloir se faire du bien, de vouloir s'aimer, de vouloir aimer sa vie. Ça a rien d'égoïste. Je dois penser à moi et à ce que je veux parce que clairement, si je voyage pas, je me fous en l'air. Et je pense sincèrement que ce soit mes amis, ma famille ou même vous, vous préférez que je sois loin de vous plutôt que morte, hein. On est d'accord, j'espère, parce que si c'est pas le cas, c'est pas moi l'égoïste, hein. C'est pas un choix facile. De se dire, dans autant de mois, je vais partir pour une durée indéterminée. J'arrête pas de dire autour de moi, mais je vais revenir. J'en sais rien si je vais revenir. Je sais pas, je connais pas la vie que je vais avoir. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas où je serai, ce que je ferai, avec qui je serai, si je serai avec quelqu'un ou si même je serai, tout simplement. Je vois pas dans le futur. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur de me dire que je vais partir toute seule à l'étranger. Que je vais être livrée à moi-même. Et je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie d'essayer parce que si je sais pas, je le saurai jamais. Et si je le sais jamais, bah... à quoi bon vivre si c'est pas pour savoir si t'es capable de réaliser tes rêves, tes désirs. Honnêtement, j'ai gazé une crise d'angoisse d'en parler avec vous aujourd'hui parce que je me rends compte, je sais, depuis toujours, je me rends compte là vraiment combien ça va me coûter de prendre cette décision. C'est vraiment pas facile et... je suis extrêmement émue, mais je dois le faire et je pense que c'est la bonne décision. J'hésite, je prends tellement de temps pour dire chaque mot, je suis tellement mal à l'aise, mais faut que je le fasse, faut que je découvre qui je suis, ce que je veux, ce que je veux, où je vais. Au jour le jour et pas à y penser, j'en ai marre de penser à mon futur, à ce que je vais devenir, à ce que je dois faire, à ce que je... à tout. J'en ai marre de penser, j'ai envie de vivre au jour le jour, j'ai envie de conduire ma voiture et pas savoir où je vais. J'ai envie de travailler et de me dire bah écoute après demain j'arrête, voilà. Je me casse et je vais là-bas et je recommence à travailler là et... La vie elle est facile pour personne du moment où tu fais pas ce que tu aimes, du moment où tu réalises pas tes rêves. Une fois que tu fais ce que t'aimes et que tu réalises tes rêves, les épreuves, aussi énormes qu'elles soient, n'en sont plus. C'est juste comme grimper une montagne pour arriver au sommet. Tu te dis putain, c'est chaud, c'est dur, j'en ai marre, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au cul. Mais t'arrives au-dessus et t'es là... c'était extrêmement worth it, tu vois. C'est exactement la même chose dans la vie. Si t'arrêtes pas de gravir une montagne et que tu montes, tu montes, tu montes, t'en as plein le cul, t'en as marre. Et qu'au final, t'arrives au fucking niveau de la mer. T'as juste grimpé pour rien. Est-ce que t'as vraiment envie de ça? T'as vraiment envie
de grimper pour rien. Parce que moi, vraiment, j'ai pas envie. J'ai envie de grimper, aussi dur que ce soit. J'ai envie de grimper au-dessus de l'Himalaya, s'il le faut, pour atteindre mes rêves et la vie que je veux mener. C'est tout.